Nous sommes sur le terrain d'évangélisation. Nous bombardons. Nous bombardons. Alléluia. Tout ça, how can you stop and genius? Amen.
And du hast du testest deinen Körper. Du testest deinen Organismus. Und die Bibel sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist der Tempel Gottes. Du gehörst dich selbst. Hast du dich selber geschaffen? Hast du dich selber geschaffen? Weißt du, wie ein Mann ein Mensch schafft? Weißt du, wie man ein Mensch schafft? Jesus liebt euch. Und warum tut das? Warum tut du das mit deinem Körper? Und eine schädigte Seele kann nicht in den Himmel kommen. Deswegen Jesus Christus sagt ja euch, verlass haben. Ja, Jesus Christus kann dich von Haaren befreien. Wenn du sagst, Gott, hilf mir, ich möchte mit Haaren aufhören. Ja, Jesus ist nicht nur Halleluja, aber Jesus annehmen. Gott ist derselbe, gestern, heute und immer. Er hat nichts mal gehindert. Er hat niemals gehindert. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und immer. Er hat vor 1000 Jahren die Menschen befreit. Heute, er kann noch befreien. Jesus ist doch lebendig. Er ist lebendig und alle mit sich. Was für Menschen unmöglich ist, für Gott, für Jesus, ist alles möglich. Für Jesus ist alles möglich. Halleluja. Verlass Haaren. Du sagst, ich habe nicht, aber ich nehme. Le peuple de Dieu, comme vous pouvez voir, gloire à Jésus, le peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel a encore envahi pour une énième fois la ville de Bonne. Vous voyez, le frère Philippe qui prêche même en espagnol, en portugais. Vraiment, le Seigneur veut que toutes les langues soient visitées par l'Évangile. Et c'est pourquoi le Seigneur met dans notre équipe des gens de toutes langues. Comme vous voyez, voilà l'homme de Dieu, le frère Raoul, qui est très paré, qui tire les missiles, les lettres d'invitation. Et voilà les servants de l'Éternel qui sont aussi là pour, au service du Seigneur. Il y a aussi un peu des frères un peu éloignés là. Le frère Stras et autres. Gloire à Jésus. Donc nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Shalom, shalom. Nous sommes à un moment de quoi encore. Vous pouvez à tout moment nous rejoindre pour glorifier le Seigneur. Vous de l'autre côté également, allez annoncer l'évangile, prêcher la repentance. Les âmes ont besoin de Jésus. Vous voyez, ils reçoivent à ce moment l'évangile du dépouillement. Et par la grâce du Seigneur Jésus, toutes les nations seront et recevoir l'évangile du dépouillement, de la sainteté. Alléluia, parce que la parole dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous avons rencontré des catholiques qui sont même sortis évangélisés. Bien-aimés, le temps est tellement mauvais. Les chrétiens de la Sainte Doctrine ne veulent plus évangéliser. Maintenant, ce sont les catholiques qui sortent évangélisés. J'ai été scandalisé en voyant cela. Donc, peuple de Dieu, sortez évangélisés. Les temps sont finis. Au nom de Jésus, shalom, shalom.